Et bonjour à tous et à toutes, c'est Bobby. Bon, aujourd'hui on est sur Age of Empires, vous voyez bien là. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec Batrius. Bonjour Batrius. Salut à tous. Alors, je vous explique pas le principe du jeu, vous le verrez bien dans mon LP un peu plus tard. Bon, on y va? Ouais, c'est parti. Donc là, on fait une petite partie 2 contre 2 contre des ordi, hein, tranquille, en mode détente. En difficulté moyen. Tout va bien, on va les Voilà, défoncer. ça devrait pas être. Exactement. Alors déjà, je vais commencer par Donc baisser là, mon on... son. entendu. Désolé de Comment devoir on vous dit, éliminer. préparez-vous à C'est moi qui vais mourir être dans votre éliminé. langue déjà. Elle y croit trop. On attaque la reine Elisabeth d'abord. Bon. Il y a deux routes Bonjour, commerciales, ça c'est votre bien. Moi je kiffe les routes commerciales. Alors, t'es où? Ils sont dans les coins, du coup. Moi aussi, j'ai une route commerciale. Je peux pas construire encore. Moi je... J'envoie mon éclaireur, je sais pas D'accord. toi. Ouais. Donc on est tous les deux français. Ouais. Alors, c'est un jeu assez vieux, Age of Empires. Il risque d'y avoir Oui. quelques lags sur le jeu. Prêt. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, j'ai une connexion de merde, j'assume complètement. Prêt. Ramasseur. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir la foule. Hein? Bûcheron. Ouais. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je vous dis tout de suite sur votre perdu. Pareil, j'ai trouvé le violet. Et la route commerciale est un peu morte en fait, t'as un comptoir pour chaque ville. C'est pas grave, on la récupérera bien un moment. Hein? Bah il faudra le défoncer. T'inquiète pas, tout va bien. Nous allons y arriver. Gna. Des trésors à la con. Ouais, ça on ira voir Chasseur. plus tard, c'est pas le moment. Prêt. Chasseur. Non, moi j'y vais tout de suite. Hein. C'est un fou du Alors, trésor. déjà, pour commencer, rien du tout. Qu'est-ce que j'en Bûcheron. vois? Écoute, je peux passer l'âge. Ah non, c'est 800. Je crois que je vais les en mettre à la boue. Au bois, pardon. Je suis en foutre au bois. Votre ordre? Chasseur. Ok, j'envoie direct 3 technos. Alors, moi j'ai pas encore découvert la Kaka. base du jaune. Moi j'y vais. Ah bah je l'ai trouvé le jaune. Cool. Alors un truc indigène ici, donc que je vous explique un peu, c'est un jeu de stratégie militaire, un peu. Je sais pas ce que t'en penses de ce que je raconte. Je Votre raconte de la ordre? merde, tu peux le Oui, dire, hein? carré. Bûcheron. Non. Donc, Chasseur. stratégie militaire en vue troisième personne. Vue de haut. Pas dire ça, on n'est pas du voilà. En gros. Voilà. Stratégie Bonjour. temps réel. Voilà. Chasseur. On est contre deux ennemis. Le but de la partie, je sais plus, on a choisi quoi? On a choisi de détruire juste l'hôtel de ville ou tous les bâtiments? Plus Tous tous les les bâtiments. bâtiments. Notre but, c'est de détruire tous les bâtiments plus tous les ennemis présents sur la carte. Voilà, allez. Ce que vous voyez ici, Par là. c'est une route commerciale quand j'aurai construit Prêt. ceci, que je vais faire tout de Oui. suite. Oh putain, je suis en train d'attaquer Ceci un hop. nous ramènera des ressources. En premier, ça sera une petite charrette. Et à force que l'on améliorera, donc que ce soit moi, Batrius ou un des ennemis, s'ils les pr la prennent, ça nous rapportera plus et ça deviendra un train au final, si je me rappelle bien.
personnellement, j'ai jamais vu un ennemi améliorer. Moi non plus, je te rassure. T'as un trésor facile, je sais. Oui, je sais. Toi, là. Il vous faut déjà un comptoir ? Une erreur de gestion ? But un autre. Bute ta gueule. On s'en bat les couilles de ce que tu dis. Ouh, la violence avec la reine Elisabeth, j'aurais pas aimé. C'est pas bien, Batrius, hein. Ouais. Très bien. Alors, donc pour l'instant, je suis un peu lent. Bonjour. Qui êtes-vous, monsieur ? Bonjour. Moi ? Je viens de voir quelque chose. Oui. Ça va ? On te dérange pas ? Très bien. Non, pas du tout. Donc là, les trésors, c'est des choses qui nous rapportent des bonus. Des choses. Et ça varie selon les trésors. Donc certaines, il y a beaucoup de gardiens, comme là vous voyez. Certains, il y en a qu'un, comme tout à l'heure, ou sinon il y en a aucun, comme celui-là que je viens de prendre. Alors. Oh putain, il m'attaque lui. Connard. Ça va. Connard. Tout va bien. Mais il est en train de me baiser, mes paysans. Bon, désolé pour les enfants qui regardent cette vidéo. C'est pas une vidéo pour vous. Qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo? Non mais... C'est quoi cette irresponsabilité voilà, de ses parents? Du coup, j'ai un guérisseur. J'ai du bois. J'ai chier. Moi, faut peut-être que je commence à construire, parce que sinon, je vais un peu être un peu dans la merde. Donc, je vais commencer par me faire une tour de garde. Maçon. Déjà oui, comme ça, je suis tranquille. Plus moi, je suis sur une colline, donc à part venir de par chez toi, que tu vas protéger, j'espère, ils peuvent pas venir vers moi, donc... À part cette colline, donc, tout va bien, je suis tranquille. Ah oui, tu vas protéger exactement le même endroit de mon côté. Donc c'est bon. Ouais, ça va être tranquille. Vous voyez, les animaux nous rapportent de la nourriture. Plus tard, on aura les... de quoi nous en apporter autrement. Il y a beaucoup de bâtiments. Même pas plus tard, moi je le fais tout de suite, hein. Je fais une ferme. Oui. Il y a aussi les poissons, mais il n'y a pas beaucoup de lacs, ça a rien. Il n'y en a pas du tout d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de balise de métropole, donc il n'y a pas de lacs. Je vais mettre... Bah, moi je vais améliorer. Je vais mettre deux postes, comme ça je suis tranquille. Pour l'instant. Votre moi perso les postes j'utilise les gratis bien. De la métropole. Donc là on voit que je récupère de l'expérience qui me permet de prendre des trucs depuis ma métropole. Vous comprendrez plus tard dans mon LP ce que c'est. C'est la métropole en gros. Vous imaginez la guerre. Par exemple la guerre 14-18. Il y avait le débarquement. C'est l'arrêt. Et bah le débarquement il était contrôlé depuis l'Angleterre ou l'Amérique. Et donc les postes de commandement étaient en Amérique ou en Angleterre et les ravitaillements venaient de là-bas. Donc là c'est un peu le même principe. Et je récupère ça autour de mon hôtel de ville. Que je pourrais récupérer plus tard. Vous voyez, là, j'ai récupéré mes deux villageois que j'avais commandés. Chasseur, votre ordre ? Oh merde, faut que je fasse des maisons. Donc. Moi, je me base sur une énorme économie. Moi, je vais passer à l'âge 2. Donc, les âges, c'est l'amélioration dans ce jeu. Vous comprendrez très vite, les bâtiments sont beaucoup plus beaux. Donc là, je peux choisir entre trois personnes. Le maître de timonerie qui me donne 400 de bois. La naturaliste qui me donne 4 vaches. Et le philosophe, le prince philosophe, qui me passe 500 de nourriture. Et je vais partir sur le 500 de nourriture. C'est plus raisonnable. Je prends le bois. Donc j'envoie quelques hommes dans le... Oui. Bonjour. Qui es-tu? Ah, d'accord. Prêt.
Il y a un mec qui vient chez moi, je ne sais pas qui c'est. C'est un violet. Il y a un violet qui est venu chez moi, je suis en train de commencer à le défoncer. Tout va bien. Moi je laisse se balader. Mais pas un niveau de jeu assez élevé pour que le... Il se barre, je le laisse tranquille. Oui, correct. Ramasseur. Je vais prendre. Pourquoi il est rentré là-dedans lui? Qu'est-ce que tu fais, Roger? Bonjour. Que se passe-t-il dans ta tête? Oui, très bien. Oui. Non, en fait, je vais prendre des gardes. Parce qu'on sait jamais, il pourrait nous attaquer, le vilain. Tu prends le poste indigène ou je le prends? Je déteste les indigènes. Ok. Le poste indigène nous rajoute des unités indigènes. C'est assez simple jusque là. Donc je vais faire un corral qui me donne du bétail. Donc là je vois que lui il est pas passé par le bon endroit. Un jaune qui arrive à mon endroit où j'ai mis mes deux postes. Il est très vite parti. Ah. Moi je les ai un peu plus écartés. Oui on s'en fout. Oui donc pendant toute la partie vous verrez les ordinateurs qui parleront comme ça. Moi ils m'ont parlé que des pas. Là je peux produire des moutons vous voyez pour me produire de la nourriture ensuite. Moi j'aime pas les moutons, c'est pas un problème. Je peux l'améliorer, donc je vais l'améliorer tout de suite même. Ah moi aussi il y a un jaune qui est passé. Bonjour. Il se balade, il se croit bien. Ah mais il a plus de vie et il a des armes à l'étrier. Donc je disais les indigènes ça me rajoute nous rajoute des indigènes tout simplement. Donc là j'améliore la route donc, pour avoir une diligence qui me permettra d'avoir plus de choses. J'ai l'élevage, excusez-moi, tout va bien. Il fait chaud. T'as bugué là. Voilà. Tu pars sur la cavalerie, Thomas? Non, moi je fais beaucoup d'infanterie. Ok. Moi je pars sur tout de toute façon. Bonjour, monsieur. Mais comment il m'attaque? Il a rien compris à la vie. Maçon. Pour moi là j'ai une économie solide, vous voyez. Bonjour, je le ferai. Moi je suis en rab de bois, mais tout va bien. Ce n'est que pour l'instant. T'as que 3 mecs au bois aussi. T'as 2 mecs à... T'as pas assez de paysans en fait. Mais... Je ne vous permets pas monsieur. Moi je me permets. Donc comme nous sommes en multi, on peut se passer des ressources. Mais bon, tout le monde sait que batterie c'est un radin, donc... Voilà. Ça parle très bien. Il est sur ton territoire. Il est en train de faire de la boucle sur ton territoire, va lui défoncer les fesses. Il m'attaque le... Tu défonces. Le violet, je crois. Bien sûr, j'ai pas d'armée, mais je fais beaucoup. Putain, ils sont où mes paysans qui récupèrent de la bouffe? Bon, ils sont... je les ai mangés. Non, sérieusement, ils sont où? Je les ai mangés. Ah non, ils sont là. Non, je sais pas. Réagissez un peu, les mecs. Hein. Oui, parce que. Voilà. Je vais faire un peu de. Donc. Parce qu'après, à la fin. Jeu, selon le nombre de trésors qu'on a récupéré, celui qui a récupéré le plus de trésors, il a un bonus d'XP. Ah ouais? Je savais pas ça. Ouais, ouais bah. Parce qu'en fait, votre métropole de l'XP, ça vous permet d'avoir de nouvelles cartes qui de plus en plus puissantes. Voilà. Merci. Votre ordre. Tu as tout expliqué à ma place. Que tu es bon. Ouais. Vous l'avez remarqué, moi je fais aucune caserne, aucune étude et tout. Parce que j'attends le fort. Ouh, il commence à m'agresser, le petit. Bon, je vous disais, donc vous avez vu,
J'ai amélioré mon poste. Et du coup, j'ai d'autres choses à débloquer. Donc, je peux demander de la nourriture, du bois ou de l'or. Donc, je vais plutôt demander du bois parce que je suis un peu en rade. Ah non, j'ai moins d'or. Mais l'or, c'est pas important pour l'instant. Je vais quand même demander du bois parce que c'est ce qui nous permet de construire. Très clairement. Vous voyez, j'ai fait une. Alors, apparemment, je n'ai. Vas-y, parle. Apparemment, je n'y ferai pas la reine Elisabeth. Quand je vais arriver avec tous mes canons dans sa base, on va voir ce qu'il va faire. Mais. Vous êtes méchant, monsieur. Vous n'allez pas Je bien m'en dans fous. votre tête, je crois. Allez voir un psychiatre. Cela ne Et... paye, ne coûte que. Ça coûte combien déjà un psychiatre? Je sais pas, un psy ça coûte 5 €. Ouais, un truc dans le genre. Juste Maçon. pour dire. Oui, monsieur, parlez-moi de votre vie. Bravo, merci, au revoir. 100 euros dans la poche. Voilà. Non, non. Prêt. Franchement, j'ai étudié ça en philo, c'est vachement recherché. Ah ouais? Ouais, bah en même temps, Ah, derrière, se faire de l'argent y a des gratuitement, théories en de même fou. temps. Non, il y a des théories de fou sur la psychologie humaine et tout, c'est un truc de malade. Ouais. Ouais, je sais pas, je reste un peu tard. J'ai fait un marché, donc ça me permet d'échanger des ressources contre d'autres ressources, très clairement. Et ça te permet aussi d'améliorer la récolte de tes Ouais, j'ai mecs. vu ça. J'avais oublié. Ah, alors ça c'est un fort. C'est le meilleur truc du jeu. Où ça? Et moi, le fort. Ah ouais, t'es de l'âge combien, toi? 3. 3? Oh putain, faut que je m'accélère, peut-être. Moi, d'habitude, je le mets quasiment dans la base de l'ennemi, Ah, je mais là, peux, en je veux un peu plus. défendre. Moi, je vais partir sur les indigènes. Non, je vais partir sur les 6. Donc, je passe à H3. Putain, j'ai plus d'or. Vous verrez, mes bâtiments sont améliorés, comme Patrius. Mais, qu'il est riche, cet homme. Voilà, j'ai 1500 de bouffe et 1000 d'or. J'ai des petits canons, voilà, des petits canons, c'est drôle. Parce que il y a une très belle animation quand vous shootez des unités d'infanterie. En l'occurrence, vous verrez sûrement plus tard. Ça C'est vole un très peu. marrant. Je place mon fort devant ma route, pareil. Que je l'aurai. Ouais. Sinon, tu peux le placer sur la colline ici, là. C'est pas mal. Ouais, bonne idée. Donc vous voyez que j'ai fait une caserne et une écurie. La caserne, c'est les infanteries. Et l'écurie, c'est les personnes à cheval. Les cavaliers. La cavalerie. Voilà. C'est plus beau, la cavalerie. Oui. Y a un certain monsieur qui vient Les se battre chez casernes. moi. Je crois qu'il est mort. Que vous avez vu plus suite, c'est l'expérience que j'ai gagnée. L'expérience, ça sert Correct, et ramasseur. à permettre d'avoir de nouvelles cartes de métropole et à augmenter le niveau de votre métropole pour avoir de nouvelles cartes après faire des trucs. Bon, je vais aller faire un peu du massacre dans les technos Bonjour. de la reine, c'est drôle. Je vais me faire un moulin, moi, pour Maçon. la bouffe. Ok, je suis à l'âge 4 et j'attaque dès que je suis à l'âge 4. Regardez les canons. Coucou! Ah non, ça a pas marché. Non. Elle était morte Ah, avant c'est que dommage. je sois C'est ballot, hein. Donc vous voyez que je suis Ouais. passé à l'âge 3, âge des forteresses, donc chaque âge a un nom. Je commandais un fort Et moi, je... à la métropole. Ah voilà, vous voyez, les mecs qui volent. Attends, j'ai raté. C'est drôle. Voilà, là vous voyez très bien l'illustration, il a volé. Donc là il est mort autrement. Voilà. Nous ne Très sommes drôle. pas du tout sadiques. Oh mon nom. Ce C'est n'est juste pas ce pour... qu'on appelle du Prêt. sadisme. Très bien. Enfin, moi, c'est pas ce que j'appelle du sadisme. C'est juste marrant. Oui. L'autre, elle me dit que je suis bon à l'exploration, mais qu'il va falloir autre chose pour le combat. Je viens de lui défoncer.
Techno. Bah vas-y, envoie des cavaliers sur mes canons, tout va bien. Je ne te dirai que bonjour et au revoir juste après. Je suis en train de réduire sa population. Donc moi je commence à envoyer mon fort. Pendant qu'il y a un certain jaune qui vient venir à ma base. Oui. Tout va bien. Donc je vais commencer à faire des unités. D'abord il me faut des maisons. Les maisons qui me permettent d'avoir plus de personnes dans une ville. Maçon. Moi j'améliore les avant-postes si jamais. Ouais, moi aussi. Même si là je trouve ça un peu facile quand même. Comme... Oula! Oula, mais il sait qu'il attaque le coco! J'ai parlé trop vite! Oh, j'ai vu ça, c'était magnifique! Mais genre de chez magnifique! Oh non, j'ai entendu un petit chien mourir! Ouais! Ah, mais c'est le chien ennemi! Hein, ah! Bon. Oh bah on s'en bat les couilles! Je ne suis pas sadique! Ouais, du tout. Bon, on va commencer les vraies unités. Quoi? Je peux en faire qu'une? On va remédier à ça tout de suite. Oh, mais j'avais pas vu, j'ai des slots. Bonjour. Alors, maçon. Je vais prendre ça. L'usine, ça permet d'avoir une ressource au choix produite en continu. Ou des canons produits en continu, et c'est des canons d'eau qui sont pas très mal. Donc vous voyez, le fort est un... Bon, c'est un peu comme une tour de poste, un avant-poste. Il tire, mais lui il tire des boulets de canon parce que sinon c'est pas marrant. Donc on peut l'améliorer au niveau 4. Mais si il y a des boulets de canon, il n'en a pas longtemps. Et donc il permet aussi de créer des unités. Donc ça permet de, si on fait un fort avancé... faire des unités sans qu'elle marche trop et que ça prenne trop de temps. Ouais, mais la carte est trop petite pour pouvoir jouer à ça. Mais bon. Très clairement, on est bien d'accord. Ah, le chien il peut pas craquer. Quoi? Le chien il peut pas mourir en fait. Enfin, quand il meurt, il est à terre, mais il peut être sauvé quoi. Mais il est passé par où lui? Ah merde, on peut passer par là. On peut faire le tour en fait. Ah ouais! J'ai un peu. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Alors, on va remédier à ça tout de suite. Je vais faire un mur ici. Moi, j'améliore mon moulin pour produire plus de nourriture. J'ai extrêmement de bois, par contre, ouais. Ça, c'est. Maçon. Ça, c'est ça, cool. Ça, c'est je vais faire des plantations pour l'or parce que les mines, les arbres et tout, c'est pas infini. Il y a des limites, comme sur Terre. Ah. Mais les plantations, y a pas de limites. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez que là j'ai des tours, mes tours d'avant-poste sont devenus des gros tours. Oui, pendant que moi je suis en train de me faire défoncer. Je me suis fait reprendre par derrière. Merde, sérieux. En espérant qu'on ne m'attaque pas. Bon, pour l'instant, je produis de l'artillerie lourde avec ça. Et on va aller un bout. Au nouveau. Comment héros s'est fait buter, mais il peut se faire réanimer, tout va bien, vous inquiétez pas. Le monde il est gentil, le monde il est tout. Voilà. Elle est passée où la mine d'or? Elle est là. Donc, je vais me faire une plantation qui produit de l'or. Ne me demandez pas comment. C'est très logique, tout le monde le sait. Oh, c'est... finalement je m'en sors. Ouais, t'inquiète pas. Enfin, je m'en sors plus ou moins. Mais buter ce mec là. J'ai produit masse archer Arbaek. Donc... Faut que je lui détruise son fort. Vite. Là il va te faire trop chier. Oui. Ah ouais. Correct. Oui. Les canons. Voilà, c'est bon. Il devrait me buter quelques mecs, mais... Mais butez-le. Bon, c'est bon, cet homme n'est pas bienvenu dans mon royaume.
Je viens t'aider un peu. Oui, Très bien. Le mec il a pris tellement cher. Donc vous voyez que mon héros est de nouveau vivant. Il récupère de la vie de petit à petit, tout va bien, vous inquiétez pas. Donc je vais. Bon, j'envoie ça là, parce que ça devient un peu inquiétant. Je vais demander des ouvriers, parce que là je suis un peu perdu sur qui fait quoi. Là, ici, ça y est, c'est un peu. J'améliore mes plans. Je peux pas, j'ai pas assez de nourriture. Ah, je crois que c'est au monastère qu'on peut améliorer les murs. Ah, ouais, c'est au monastère. Si je me souviens bien. Le moulin, il produit bien de la nourriture, je me suis pas trompé. Bonjour. Ah, ouais, nourriture à l'infini. Votre ordre. J'ai 3000 de nourriture. Là j'ai des nouveaux soldats. Ah mais d'ailleurs, est-ce que j'ai fait une maison mette moi? Non, j'ai pas fait de maison mette. Fermier. Voilà, ça m'a soulevé. Et voilà. Donc moi je vais faire une église. Donc les églises permettent d'avoir des moines qui peuvent soigner les soldats. Moi ouais, j'utilise les églises pour les améliorer. Mais ils reviennent, c'est... Ils sont obstinés ces hommes. Si vous ne connaissez pas le sens du mot obstiné, allez voir dans le dictionnaire. Tout de suite. J'ai un gros freeze. Allô. Bon, nous avons perdu Batrius. Bon, ça... Je sais pas, je vais voir avec lui. Attendez. Donc, re tout le monde, en fait c'est moi, j'ai perdu la connexion internet. Ça mettra fin à l'épisode. Je quitte la partie, je vous laisse ici. Laissez un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez pas aimé, laissez un commentaire argumentatif pour savoir ce qu'il faut que j'améliore. Dites-moi ce qu'il faut que j'améliore. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye.